Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour notre vidéo concernant les maisons hantées. Ha! Écoutons ça. Concernant les maisons hantées. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui venait de notre village. C'était un marabout. Et il y avait une maison où personne n'arrivait à rester là-dedans plus d'une semaine. Parce qu'on racontait qu'il y avait un génie, des trucs comme ça, du coup, qui empêchait les gens de rester. Et je vais aussi dire que la différence entre un croyant et puis le diable, c'est que le croyant, le diable, il a de la pression, mais il n'est pas très affûté aussi, quoi. Donc, le marabout, il a entendu ça. Lui, il n'avait pas d'autre choix que d'habiter dans cette maison-là. Et la première nuit qu'il est arrivé dans cette maison-là, aux environs de 3 heures, il a vu une sorte, quelque chose qui ressemble vraiment à un palmier, mais qui crache du feu, qui venait vers lui. Et lui, il a vu et il s'est apprêté en conséquence. Donc, d'après ce qu'il dit, il a travaillé avec un verset que tout musulman connaît, tout marabout en tout cas connaît, qui est le verset du trône. Le verset du trône, c'est, on appelle ça Ayat al-Kursi. Arrête. Du coup, lui, quand il a voulu contrer le djinn, en fait, il a vu que tout ce qu'il raconte, récitait, le djinn récitait exactement ce que lui, il récitait aussi. Du coup, là, c'est la foi qui devait les séparer. Donc, lui, à chaque fois qu'il répète quelque chose, le djinn répète la même chose. Il répète quelque chose, le djinn répète la même chose. Bon. Comme il sait aussi qu'il y a le verset du trône, il y a des codes là-dedans, il y a un endroit, en tout cas, quand il y a un problème qui a trait à tout ce qui est génie, djinn et tout ça, il y a cet endroit-là, quand tu arrives, tu répètes un certain nombre de fois. Du coup, quand lui répétait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette base-là, le djinn s'est arrêté. Il a commencé à trembler, trembler. Du coup, lui, il a récité un certain nombre de fois jusqu'à ce que le truc se consume, le feu se consume. Parce qu'au début, c'était un feu, mais qui ne consumait pas. Du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à vaincre le djinn. Et puis, le matin, il a expliqué à tout le monde que voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui empêchait tout le monde de rester dans cette maison-là. Comment tu as dit ça? Donc, c'est un démon qui empêchait les gens de rester dans cette maison. C'est la raison pour laquelle les gens appelaient cette maison une maison hantée. Vous avez entendu ça? Ce qui veut dire que pour rester dans une maison hantée, il faut avoir l'esprit plus puissant que l'esprit qui se trouve là-bas, que l'esprit mauvais qui se trouve là-bas. Une fois que vous avez un esprit plus puissant que ça, vous allez chasser ce mauvais esprit et prendre possession de ce lieu. C'est de cette façon seulement que vous pouvez rester là. C'est pourquoi on vous dit souvent, avant d'habiter une maison, il faut appeler un vrai serviteur de Dieu qui va venir prier pour que l'Esprit de Dieu descende dans cette maison et chasse le mauvais esprit. Et oui. Sinon, vous-même, vous pouvez prier en invoquant Dieu, en invoquant le Saint-Esprit. L'esprit supérieur à venir dans cette maison, dans votre nouvelle maison, afin que tout se passe bien. Oui, que Dieu fasse le nettoyage de votre vie aujourd'hui, le nettoyage de votre maison. Waouh, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore notre histoire du commun. C'est parti. Je vais te raconter l'histoire d'un monsieur qui travaillait dans une société de transport terrestre. C'est un chauffeur, un vieux chauffeur, qui a l'habitude de convoiter des marchandises vers le Niger. Donc, il était une fois parti pour livrer des marchandises au Niger, comme d'habitude. Et il a constaté, chaque fois qu'il part, il remarque que sa femme aussi sort de la maison. Chaque fois qu'il part, il remarque que sa femme aussi sort de la maison. Bon, au début, il n'était pas d'importance à ça, parce que la femme lui disait qu'elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas rester dans la maison toute seule, par peur.
Donc lui, ça dit, ce n'est rien. Alors que la femme, en réalité, partait pour le tromper avec un autre homme. Donc, un jour, il dit à la femme que je vais au Niger, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, puisque je vais très loin. Donc, il est parti. Et comme d'habitude, quelques semaines après, la femme aussi avait quitté la maison. Mais en vrai, le vieux n'était pas parti au voyage. Il n'était pas parti en voyage, je vais dire. Il était à Cotonou. Mais il avait fait croire à sa femme que lui partait au Niger pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc, il surveillait la femme. Bon, tu connais bien les vieux. Quand ils veulent surveiller leurs enfants ou leurs femmes, tu sais qu'ils ont tous les astuces nécessaires. Donc, il a commencé par suivre la femme un peu de partout, mais discrètement. Et il constate que la femme allait chez un marabout. La femme allait chez un marabout. C'est-à-dire que quand elle va tromper son mari pour rentrer à la maison, elle passe chez le marabout. Parce que chez nous, on a une coutume qui dit que quoi? Quand tu trompes ton mari, que tu rentres normalement dans la maison, tu vois les défunts. Tu vois un peu. Donc elle passe chez le marabout pour se purifier avant de rentrer. Et le marabout lui remettait un truc qu'elle était censée mettre dans la nourriture du monsieur quand le monsieur revient de son voyage. Alors le vieux, lui, ne savait pas tout ça. Mais c'est dans sa quête de comprendre avec qui elle le trompait que lui, il allait découvrir qu'après avoir sorti d'un hôtel, elle passe chez un monsieur qui fait les médicaments aux gens. Donc, il n'a rien dit. Après le départ de la femme, le vieux est rentré chez le monsieur et a dit au monsieur que lui voulait faire une consultation. Donc, comme ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Le vieux a fait la consultation et dans la consultation, il avait posé la question que, genre, avec le fa, quoi, qu'est-ce que la telle femme vient chercher ici? Le marabout ne savait pas que c'était le mari de la femme qui venait le voir chaque fois. Donc, du coup, quand il a fait la consultation, le marabout, ne sachant pas que c'était la femme du monsieur, lui a raconté comment sa femme le trompait, comment sa femme est infidèle et qu'il risque de mourir. Et que, il est en danger. Il a parlé. Jusqu'à là, il ne savait pas que c'était le mari du monsieur. D'accord. Le vieux dit, OK, comme la situation est pareille, que ma femme me trompe, que puis-je faire pour éviter la mort subite que le phare explique? Que puis-je faire pour m'en sortir? Le marabout lui dit, je vais te remettre un médicament que tu vas commencer par utiliser. Tu vas chez toi, essaye de faire passer le médicament sur les chaises que tu as chez toi. Si ta femme s'assoit dedans, ça va l'attraper. Elle va commencer par parler d'elle-même. D'accord. Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a parlé d'argent avec le vieux. Le vieux lui a remis l'argent. Il avait donné une date au vieux pour que le vieux revienne prendre le médicament. Ce que le vieux a fait. Donc, quelques temps après, le vieux revenait à la maison comme d'habitude. Ah, mon voyage, ça a été, je suis bien rentré, je suis bien arrivé, et tout. Donc, il a fait ce que le marabout lui a dit, effectivement. Ça. Il a pris le médicament qu'il a repégé sur les fauteuils du salon, sur le lit conjugal et tout. Et quand il a fait ça, lui, il s'attendait que quelque chose arrive tout de suite. Tu vois, mais rien ne s'est passé. Rien du tout ne s'est passé. Quelques jours après, il constate que sa femme lui dit qu'il y a un serpent sur le lit. Il dit, mais comment il y a un serpent sur le lit? Il soulève le matelas, il regarde de gauche, il regarde à droite, il ne trouve rien. Quelques jours après, la femme répète la même chose. Elle vient de voir encore un serpent, un grand serpent noir comme ça sur le lit, que le serpent le regarde. Le mari dit, mais la dernière fois tu avais parlé de ce serpent, je suis allé, je n'ai rien vu. Il est encore allé, ils ont soulevé, ils ont dégagé les choses, ils n'ont rien trouvé. D'accord. Le vieux est parti, revoit le même marabout et lui a dit au marabout que voilà, j'ai mis le médicament que tu m'as donné, et voilà ce qui sort, ce que ma femme voit. Et il dit le marabout dit au vieux que
que la femme a quelque chose qui empêche que cette femme. Essaie de maintenir ton téléphone sur la même position. On lui dit, ah, la femme ne fait que voir un serpent, tourner, revoir le marabout et a expliqué au marabout que la femme ne fait que voir un serpent, mais que rien n'agit, quoi. Le marabout lui dit, ah, sûrement qu'elle fait des choses pour se protéger contre ce que tu as fait. Donc, je vais te donner un autre médicament que tu vas la donner à manger. Il dit là que ça va faire en sorte qu'elle ne verra plus de serpent dans la maison. Donc, le vieux a encore pris le médicament chez le marabout. Et jusqu'à là, le marabout ne se rendait pas compte que c'était le mari de la femme qui venait le voir pour passer le monsieur en question pour que le monsieur ne découvre jamais qui le trompait. Il a pris le médicament, il est retourné à la maison et il a fait ce que le marabout lui dit. Il a dit, ah, je suis allé, j'ai demandé qu'on m'envoie un médicament de l'or, comme tu vois les serpents et qu'on ne voit rien, pour que tu prends, peut-être que ça va t'aider, ça va te guérir, tu es malade. La femme a pris le médicament, la femme a mangé. Et dans la nuit qui a suivi, elle a commencé par expliquer comment elle est rentrée dans une tontine. En fait, le but de la tontine, normalement, c'était un peu comme les groupes WhatsApp là, que nous avons. Et qu'elle ne savait pas que c'était un groupe dans lequel ils devaient se prostituer. Puisque la femme en question dont on parle, c'est une personne qui a son commerce, hein. C'est une personne très bien. C'est pas qu'elle attend seulement son mari pour vivre, non. C'est une personne très bien qui vivait. Donc, elle est rentrée dans un groupe de tontines, soi-disant, et que c'est dans le groupe-ci qu'il n'y avait que des femmes. Donc, c'est comme ça qu'on lui a dit que, ah, ton mari ne reste pas trop, il n'est pas tranquille, donc tu peux faire ta vie, tu peux faire ci, que tu peux faire ça. Elle a parlé. Mais tout ce qu'elle disait n'était pas correct, parce que tantôt, ce qu'elle disait allait de droit chemin, et tantôt, ça perdait chemin. Donc, il n'y a pas de problème. Le vieux dit, ah, donc tu m'as trompé. Elle répond au vieux, oui, je t'ai trompé, mais je t'ai trompé que deux fois. Le vieux dit, d'accord. Le lendemain, le vieux part au boulot. Il part avec son camion au port pour faire des chargements. Et à son retour, on lui explique que sa femme est paralysée, qu'elle est dans la chambre tout seule et qu'elle pleure, qu'elle voit le feu pleuvoir partout dans la chambre, alors qu'il n'y a pas de feu, et qu'elle ne peut plus se détacher, comme si quelque chose l'avait attachée. Le monsieur est revenu et il prend la femme maintenant, il l'amène chez le marabout. Quand le marabout voit la femme, il reste tiqué. Il demande au vieux, mais tu as trouvé cette femme où? Le vieux lui dit que, ah, c'est ma femme qui me trompait, donc je t'ai parlé. Le marabout, maintenant, le savait, ne pouvait plus dire que, ah, cette femme, c'est chez moi qu'elle venait. Parce que le vieux savait déjà que c'est lui qui faisait les médicaments pour la femme. Et comme c'est lui qui a donné les médicaments au vieux pour qu'il aille utiliser, il ne peut plus non plus détacher la femme. Qui fait ça, c'est lui qui va mourir. Donc, le vieux lui dit, ok, maintenant que ce que tu as fait a marché et qu'elle a confessé, qu'elle m'a trompé et tout, libère-la. C'est là, le marabout lui dit que si je libère ta femme et que ta femme survit, c'est moi qui va mourir. Parce que le même médicament qu'elle prend pour te tromper, pour que tu ne le saches pas, c'est moi qui lui ai fait le médicament. Donc, en même temps, sur elle, ce sont les deux médicaments qui marchent. Donc, si je la libère, c'est que c'est moi qui pars. L'affaire était devenue quasiment un spectacle, tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui va se passer? Le vieux dit, ah, si c'est toi qui vas mourir ou si c'est elle qui va mourir, décidez entre vous. Il a appelé les parents de la femme qui sont venus, il les a fait asseoir chez le marabout et les a expliqué que voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai constaté et voilà là où ça m'a amené. Mais pourtant, on parle d'une femme qui a fait 5 enfants pour le monsieur. Hein. Ce n'est pas de l'argent qui la manque, ce n'est pas... Elle a presque tout. Elle a tout ce qu'il faut, une femme peut avoir pour être heureuse. Mais c'est parce qu'elle est rentrée dans un groupe où on dit on fait les tontines et qu'il n'y a que les femmes. On l'a entraînée dedans. Donc, finalement, les parents de la fille, de la dame ont demandé au marabout de libérer l'enfant parce que la fille venait payer pour faire des médicaments. Donc, quoi qu'il arrive, il doit libérer la fille. Si c'est lui qui va mourir, qu'il meurt. Le marabout dit miette, il ne le fera pas. Ils ont tiré cette affaire jusqu'à ce que les parents de la dame ont pris la dame, ils sont allés voir un autre marabout.
chaque fois qu'ils allaient voir quelqu'un, la personne dit, je ne peux pas toucher ça, c'est celui qui a fait ça qui doit le défaire, celui qui l'a attaché, c'est lui qui peut le détacher. Ils ont tourné. Finalement, le frère de la dame est venu chez le marabout avec une machette et il menaçait le monsieur pour dire, si tu ne libères pas, si tu ne détaches pas ma soeur, c'est moi-même qui vais te tuer à coup de machette, ça ne sera plus tes génies qui vont te tuer. Donc ça devenait du scandale. Chaque fois, les gens du quartier venaient se regrouper sur le portail du marabout. C'était une honte, quoi. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il a fait les rituels. Il a demandé une chèvre noire. Il a pris, il a fait les rituels. Il a libéré la dame. Enfin, il a libéré la dame. Quelques temps après, c'est comme ça qu'il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est devenu fou. Et c'est dans cette folie qu'il a commencé par parler aussi de comment il tuait les gens, comment on le faisait déplacer pour qu'il tue certaines personnes et tout et tout. Donc il a fait lui-même pas mal de révélations. Hein. Pas mal de révélations. Donc c'était, bref, c'était l'histoire que j'avais racontée. Bonjour. Waouh, vous n'avez pas entendu ça? Hey, les choses du diable sont vraiment compliquées. Faites attention. Mais malgré le rituel qu'il a fait pour la femme est décédée aussi plus tard. Malgré les trucs qu'il a fait pour la femme aussi est décédée plus tard. Donc, je voulais dire aux femmes, souvent, comme j'ai l'habitude de le dire ici, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut chez un homme. Ça, soyez-en sûrs. Mais si vous avez le maximum qui peut vous permettre de vivre bien, restez. Au cas contraire, partez. Ne confondez pas votre vie aux vies de vos amis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les... Voilà une personne qui vivait sa vie bien. Il a fallu qu'elle rentre dans un groupe WhatsApp avec les femmes qui lui ont dit que non, nous on trompe nos maris et rien ne se passe. Tu finis, tu peux aller te baigner. C'est pas sur tout le monde que les sorts mystiques ou les passes marchent. Donc, si vous êtes fatigué de rester avec un homme là, partez, faites votre vie. Mais arrêtez de rester chez un homme et vouloir toujours jouer un peu plus jeune. Ça ne se fait pas. Voilà. Waouh! Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça, c'est grave. Bien, nous allons écouter encore une autre femme. Il y a des choses à nous dire. C'est parti. C'est pas vraiment une histoire, mais c'est comme un témoignage, je dirais. C'est trop bizarre. OK. C'est quelque chose qu'une collègue m'a raconté au boulot. C'est une Européenne. On était trois sur le bureau. C'était la première fois qu'on discutait un peu de choses, je dirais, un peu mystiques. Et comme moi, je suis africaine, elle me dit, Ghislaine, est-ce que tu crois que la sorcellerie, c'est quelque chose de bien? Je lui dis, pas sans plus. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de bien ou de mal. Ça peut juste, c'est que dans toute chose, il y a une contrepartie. Et là, elle me dit, ben, moi, dans ma famille, on est très éveillés. Et je ne sais pas si tu connais ça, mais je pratique la décorporation. Je n'avais jamais entendu le mot. Alors je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, tu sais, le fait de sortir de son corps. En fait, elle m'expliquait ce que nous, on va appeler voyage astral, en fait. Donc, j'étais très surprise parce que je travaille avec cette dame depuis plus de 5 ans. Et on n'a jamais parlé de ces choses-là. Et je pense que je ne m'attendais pas à ce que, même ici en Europe, il y ait des choses comme ça, en fait. Donc, elle m'explique qu'elle n'est pas encore très rodée, qu'elle ne maîtrise pas, mais qu'ils ont tous un peu des capacités dans sa famille, que comment elle s'en est rendue compte, que parfois elle dort et qu'elle a soif et que tout d'un coup, comme en une seconde, elle se retrouve dans sa cuisine, elle veut prendre le verre d'eau et elle voit qu'elle ne peut pas l'attraper. Et donc, elle se rend compte que c'est pas son corps physique qui est dans la cuisine et qu'elle doit quand même se battre avec elle-même pour retourner dans son corps. Et je dis, et puis, bon, tu fais quoi d'autre, en fait, qu'aller prendre un verre d'eau que tu n'arrives pas à boire? Et elle me dit, non, moi j'ai un peu peur parce que, tu sais, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont autour
et qui sont pas positives comme moi et qui ont comme j'ai comme l'impression que si je ne rentre pas vite dans mon corps, d'autres, je vais pas appeler ça esprit, mais d'autres personnes pourraient posséder son corps. Je dis ah bon? Elle dit oui, et que pourtant ma maman, sa mère à elle, pourtant elle a plus de 40 ans, donc sa mère doit avoir au moins 60 ans. Elle me dit, ma mère, elle me dit, mais non, c'est trop bien, j'arrive à me promener, je vais dans les champs à côté de chez moi. Je dis, mais t'es sérieuse, en fait, de quoi tu me parles, en fait? Elle dit, non, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise pas, et puis je voulais savoir si toi, tu connaissais ça. Bon, en gros, comme je suis africaine, peut-être que je suis un peu sorcière. Je sais pas. C'était juste pour dire que les choses qu'on vit en Afrique, qu'on appelle mystiques et qui nous paraissent un peu spéciales, je pense que dans tous les peuples et dans toutes les cultures, il y a des choses comme ça. Et c'est juste que je pense en Europe, très vite, avec peut-être l'arrivée de la religion, des religions monothéistes, ils se sont un peu, éloigné des choses de l'esprit, en fait. Voilà, c'était tout. C'était toute mon expérience. Waouh, donc il y a blancs sont sorciers aussi, il y en a. Ah, tiens, donc on court par où maintenant? Seigneur Jésus. Dites-moi ce que vous en pensez. Écoutons, quand tu sors du commun, c'est parti. En fait, c'est une histoire d'une famille dont le papa, il était roi dans un village du Cameroun et il avait trois enfants, trois garçons. Et il fut un temps, l'aîné, il était très proche du père et d'après l'explication du dernier enfant, du premier enfant du monsieur, donc le petit-fils du grand-père qui était roi. Désolée, j'ai l'enfant qui fait un peu le bruit. Donc, le petit-fils, il a écrit à la dame qui appartient à la page en disant qu'en juillet, il aura 19 ans. Et il a peur de mourir parce qu'il avait ses frères et sœurs à l'âge de 19 ans, tous sont morts. Et c'est dû à l'acte de son père qui était les nœuds du ventre de son grand-père. Quand le grand-père décède, il avait partagé les biens, mais sauf que le royaume, l'enfant qui devait succéder au trône, c'était celui qui suivait l'aîné. Et lui n'a pas accepté la décision des sages et autres. Il a éliminé son frère, et à l'époque, son frère était âgé de 19 ans. Mais il a pu être roi. À l'encontre de la décision du père et des sages, il a éliminé le frère. Et les sages ont fait des choses de telle sorte que même s'il devient roi, personne ne pourra le succéder sur le royaume. Et tous ses enfants, que ce soit des filles ou des garçons, à l'âge de 19 ans, vont tous mourir. Et c'est comme ça que les autres sont décédés, les frères du gars qui doit mourir en juillet de cette année, bien sûr. Donc il a demandé de l'aide à la dame, d'essayer de faire quelque chose pour lui parce qu'il ne veut pas mourir, il n'a pas encore fait d'enfant, il n'a même encore rien réalisé parce qu'il n'a à peine que 19 ans. Juste pour attirer l'attention de certaines personnes qui se disent que non, comme je suis l'aîné, si mon papa ou ma maman a laissé des biens, c'est moi qui dois diriger. Mais si l'autorité ne t'a pas été donnée, ne forçons pas les choses parce que Dieu sait faire ces choses. Bon, c'est ma petite histoire et que j'ai voulu partager à certaines personnes. Hein? Waouh, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça, je vous donne rendez-vous. Pour la prochaine session, abonnez-vous sur les points.